Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Ok. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. C'est ça, de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Juliane, du calme! C'est qui lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Juliane, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il?
Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Suivez-moi. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui ? Un étranger ? Vous allez tous nous faire tuer ! Anton, du calme ! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Y'a pas de survivants ! Un pauvre invalide ! Une conne qui arrête pas de chialer ! Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ! Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri ! Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana... Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons. Depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière... Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Oh non ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez !
plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena! Non! Y a plus rien à faire! Papa! Tout risque de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. Du terrain. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a plus le choix, faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre... Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, non. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Mais pourquoi est-ce que tout le monde... Thank you.
arrêter. Merde, Yanda. C'était qui? C'était quoi ça? La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visible. J'imagine que ça mène au château. Rien d'autre que le sang et la mort. Hein ? As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Quit your whining. We're almost there. Rose, where are you? If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house, near the fields. Long, long ago... Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting! You'll draw the monsters! Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we'll all be dead. No, let me go! Chris, what the hell? Why? For Ethan. Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job!